Hier, j'ai maté un film et c'était plutôt pas mal. Bon, c'est Maman, j'ai raté l'avion. Ah, mais je connais ce film, ça veut dire quelque chose. Ça ressemble au Père Noël est une ordure, mais version américaine, quoi, c'est ça. Non mais j'adore ce film, mais le problème c'est que il a tendance à ressortir chaque année, tu vois. Non mais sans déconner, à Noël ils ont un catalogue de 10 films, les gars ont plus d'oseille. Forcément, y a un moment donné, tu te le manges. Non, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est un bon classique de Noël, quoi. C'est un film vraiment qui sent la dinde, quoi, tu vois. Abruti, hein. La première chose qui te choque, tu vois, c'est qu'ils sont 35. Ils sont 35 cousins, c'est quelque chose qui se fait plus, on est d'accord. Ça sent la joie de vivre, tu vois, on sent qu'il y a une bonne ambiance dans la maison, et ça, c'est vraiment chouette. Kevin, je te ferai dévorer par ma tarentule. Kevin, tu veux que je te dise, tu es vraiment très chiant. Best family in the world. Non, là, t'es de mauvaise foi. Ça, c'est dans toutes les familles, tu vois, je suis sûr que s'il a un vrai problème, ils seront là pour l'aider. Je ne sais pas comment on fait une valise, c'est la première fois qu'on me demande de la faire. Va te faire voir. Bon, c'est des connards. Tout le monde connaît l'histoire, hein, c'est la merde pour se lever. Oui, il faut prendre les bagages, il faut se dépêcher. Allons vite à l'aéroport, les billets vont s'annuler. Là, il y a une cousine qui vérifie si tout le monde est là. Bon, à mon avis, elle fait pas partie de la famille parce qu'elle reconnaît pas son Kevin. 6, 7, 8, 9. 10 et 11, ok. Non mais tu sais pourquoi je l'ai confondu? Ils ont le même bonnet. Non mais si tu dis à ta meuf, ouais écoute je suis désolé, elle avait la même chaussure que toi, tant pour moi. Ça passera pas, tu vois, il y a des chances qu'elle te tape, qu'on se mette d'accord sur un truc. Quand tu pars en vacances avec tes gosses, tu vérifies quand même qu'ils sont là, tu vois. Je veux dire, si t'avais pas envie qu'ils viennent, bah tu leur dis. Pas comme un crayon, tu vois, ton crayon tu peux l'oublier, mais là c'est ton gosse. Mais non, mais c'est une amie de longue date, je lui fais confiance, y'a pas de soucis. Là, elle arrive dans l'avion, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois, ça c'est l'instinct maternel. Tu vois, ça c'est quelque chose que nous les hommes on peut pas comprendre, que tu vois. Je n'ai pas fermé la porte. Ah, t'es pas loin, hein. Et la cuisinière, tu as coupé le gaz? T'es chaud. Finalement, elle se rend compte de sa connerie. Kevin! Connasse, mais vérifie avant. Bon, elle arrive à l'aéroport, elle essaie de joindre son fils, tu vois, mais il y a plus de téléphone, mais ça elle le savait avant de partir. Excusez-moi, je voulais seulement vous dire que l'électricité était réparée, mais pour le téléphone c'est fichu. D'après moi, ma belle, il faudra du temps pour le remettre en marche, bien sûr. Oui, merci monsieur, on s'en bat les couilles. Allez, on y va, allez les enfants, passons Kevin. Bon là, t'as un flic qui va voir à la maison si tout va bien, mais le gars est en fin de carrière, tu vois, il s'en bat les couilles. Il n'y a personne, ça me paraît tout à fait calme. Demandez-leur de recompter les gosses. Bien reçu. Putain, ça m'énerve les carapouces, j'en peux. Ouais, prends les lits à quelqu'un. Attends, deux secondes. On va tout courir, ton mauvais. Tu t'es pas trompé encore une fois. J'ai contacté mon kit, tout le temps dans le passage, hein. Mais c'est pas la peine d'être désagréable, hein. Ouais, je suis là. C'est pas là pour le plaisir. Retourne à ta basse. Ouais, d'ici c'est pour jouer, comme ça tu peux rentrer chez toi. Moi j'ai pas besoin de l'user de ma team, ça va. Retourne à ta basse, tout de suite. Bon, en principe, il trouve le gosse si l'histoire s'arrête là, tu vois. Mais non, le réalisateur, c'est un petit malin. Bon, et à un moment donné, il se rend compte que sa famille est pas là, tu vois, donc il décide de faire une prière pour espérer les revoir à Noël. Bon, c'est là que tu te rends compte que le film, il a quand même un quart de siècle. Je voulais pas dire ça. Si vous revenez, je serai plus un affreux Jojo. Je vous le promets. Tu es un affreux Jojo, Kevin. Et ça, je ne t'y reprendrai plus. Bon, là, c'est un moment donné très important du film parce qu'il rend compte qu'il va se faire cambrioler, tu vois, mais il décide de résister, je veux dire. Le mec, il a 9 ans, mais c'est un bonhomme. Montrez-vous, moi, j'ai peur de personne. Je veux dire, attends, moi aussi, j'aurais fait pareil, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est easy peasy, tu vois. Ok, ça suffit. C'est pas une minute de plus dans cette maison. Donc là, il a le feu au cul, tu vois. Il essaie de préparer quelques pièges, mais c'est hyper chaud de savoir quand ils vont arriver, tu vois. Le gars va pas faire des pièges comme ça, il va pas dormir dans la cuisine, tu vois. Attends, mets-toi à sa place. Imagine, il débarque quand t'es aux toilettes. Non, mais non, mais pas maintenant, là. J'ai même pas fini de m'essuyer. Ça, c'est s'il les avait pas surpris dans une conversation surréaliste. On va aller décharger la camionnette. On ira manger au resto. Et puis après, à 9h, on viendra. On peut! Franchement, on va là-bas pour 21h, j'ai un port de deck. Mais 10 minutes avant, je vois, on va au kebab. Comme ça, les gens ils croient qu'on est gentil, tu vois, on va rien faire. En fait, on va faire. Mais nous, on le dit pas, tu vois. Ouais. On va pas rentrer par la porte d'avant, tu vois, il va trop s'y attendre, il va nous vivre. Non, on passe par la porte arrière. La porte arrière, y'a personne sans mère. J'ai été hier, franchement, j'ai fait la fête et tout, j'ai fait un karaoké, y'avait personne sans mère. Fais-moi confiance, fais-moi. Fais-moi confiance. Ce qu'on va faire, tu vois, c'est qu'on va prendre une voiture jaune Canary, tu vois. On va mettre tes porte-bagages comme si j'étais un padé, tu vois. Je vais m'occuper de la série, je vais la démonter. Prends mon GSM au cas où tu l'as oublié, tu vois. C'est le 0470. Mais le mec, il peut pas être plus précis, tu vois. Le gars se donne. Bon, du coup, les cambrioleurs arrivent, mais ils s'attendent pas à ce qu'il y ait le moindre piège. Oh. Bon, jusque-là, Kevin avait tout mon respect, tu vois, mais il le perd complètement quand il se fait choper. Viens par ici. Tu veux jouer au grand? Je veux dire, le mec se fait souiller, quoi. Pas d'autre mot, hein. Tu t'es fait déshonorer, Kevin. Tu t'es fait déshonorer. Ah non, j'étais pas bien. J'ai dû éteindre et continuer le lendemain. Voilà, j'ai dit assez de conneries sur ce film. J'espère que ça vous a fait marrer. Et si ça vous a pas fait marrer, bah je vois pas ce que je peux faire de plus.
Donc deux choses à retenir pour pas finir souillé sur un porte-manteau. La première, c'est acheter le DVD, c'est un classique, il vaut vraiment la peine. Et surtout la deuxième, soutenez-moi en vous abonnant à mes vidéos, ma page Facebook. Merci à tous, bye bye. Plein de bisous, bisous. Je n'ai pas bon à rien du tout. Je n'ai pas ton temps, tu comprends ça? C'est quoi ce bordel ici, non mais oh. Non mais c'est gratuit, tu peux... Non, tu peux quand même me faire plaisir, je veux dire. Ah, c'est gratuit, mais dis-le tout de suite. On peut le faire combien de fois? On peut en avoir plusieurs.